Et puis, et juge Tonnel Jean-François, pas tellement entendu dans les médias depuis le président Métouatène dans l'IKF là. Je vais faire une seule conférence de presse. Oui, oui, et après ça, me dégage en silence. Parfois, il est bon pour garder le profil bas et pour ne pas parler ou ça, me là. Mais quand même, après, je réfléchis quand même. Mais sinon, ça, est-ce que c'est par peur? Est-ce que les pressions font sous ou? Est-ce que c'est les femmes qui peur? Bon, bien entendu, il y a des parents qui disent bon, pas, faut être très prudent, etc. etc. Même pas, quoi, c'est ça qui est au silence là. C'est pas quelqu'un qui est donc qui est payé après, parce que, on fasse son président. Mais bien sûr, il y a un pile de monde qui conseille, même recevoir et conseiller des messages anonymes, côté abdim, faut faire attention, faut quitter le pays, etc. etc. Mais bon, bien entendu, je me suis fait un petit temps et à l'étranger, à peine 2 mois. Mais après, je suis retourné dans le pays, parce que ce pays, je ne suis pas venu dans le pays. Mais est-ce qu'on te connaît Jovenel Moïse avant? Non. Son citoyen pas vous connaître avant. Son nom. Et moi-même, je suis venu dans la campagne électorale. Et puis son nom, je suis tout le mal dans l'UKF. L'an dernier, vous jouez un dossier là déjà? Yes. C'est pas privé qui est l'autre dossier à la parole nationale? Bon, mais ça passe. C'est que le président privé, il y a un pile monde qui t'a conseillé, qui t'a conseillé, mettez une commission sous pied. Parce que le dossier de Caribéa, c'est parlé avant l'élection journal. Son dossier qui t'a parlé de lui. Mais le président privé dit, il y a un pile monde qui va conseiller, des organes de droits humains, organisations de société civile, qui conseille de mettre une commission sous pied pour penché sous question dossier Petro Caribéa qui est là dans l'ULCC, UKF ou des comptes, etc. Le président privé dit que pour éviter que des gens qui étaient prêtés là en question politique, etc., etc., il préfère que l'institution fasse travail. Et ça fait estimer que c'est des personnalités, qu'il voulait mettre dans la tête l'institution. Par exemple, il y a Bourgogne qui met dans la tête l'ULCC. Et moi-même, moi, j'étais juge dans le tribunal de première instance, il a fait appel à moi. Sous privé, mais privé pas qu'à nous-mêmes, lui-même, parce qu'on processus pour passer par lui pour entrer dans UKREF. Et pas qu'à nous-mêmes, et vu que tu as un problème dans le niveau UKREF, le ministre du CISA a écrit Konal, Kodate Konal, là pour le dire, pour libérer le rapport sur le fonctionnement et ça. Bien entendu, qui dépend de Konal, Commission nationale lutte contre la drogue. Et puis ça qui vient au ballon rapport fait qu'on est que un problème dans le niveau direction générale UKREF, parce que le directeur général qui n'est pas passé par processus que la loi trace, il y a que si le financier ou pas les ballon rapport et pas voulez vous déclarer de soupçon bali, déclarer de provenance de fonds, parce que le directeur général UKREF, il y a un rapport étroit avec les institutions financières. De ça que fait Konal et David que yo et comment dire fait changement dans le niveau et direction générale du CREF. Yo t'ai lancé appel à candidature. Donc pour directeur général du CREF, bon c'est des compétences pour rien, c'est pas seulement compétences dans le niveau droit, mais dans le niveau comptabilité, dans le niveau économie, il faut gagner des compétences. De ça que fait moi-même c'est une dans monde vu que l'homme était juge d'instruction, on t'a travaillé nos structures et de lutte contre la criminalité financière que le président Préval m'a mis sous pied de concert avec l'ambassade américaine, etc. Donc c'était sous l'administration ministre Magloire. Donc, on ne fait pas de structure ça. Gassant. Donc voilà, dans un point de substitut qui était affecté dans la cellule de traitement des fractions financières. Leur vie nous même eu une instruction, il mourit dans ce que ça, c'est moi qui traitais dossier qui rapport avec le financier. Donc, nous avons reçu une pile formation dans le domaine ça à l'étranger, avec bien entendu avec le support du département d'État américain. Et ça fait dossier me paraît plus intéressant que l'autre candidat. Pour prendre, nous avons reçu une interview, etc. Après ça, vous voyez, dossier by président qui était fait nomination. Mais l'homme est-ce qu'on joue un dossier Jovenel? L'homme rivier, bon, il y a une tradition, l'ordre directeur général du CREF, après installation, il faut qu'on fasse un briefing ou une rencontre avec chaque directeur. Parce que trois directeurs dans le CREF, un directeur d'investigation, un directeur opération, un directeur administratif. Donc, moi, je me rends compte que je fais un directeur d'investigation, l'ité, dans mon rapport, donc c'est des dossiers qui sont en cours, donc c'est des rapports qui finalisent, qui finissent. Et
Il y a 5 rapports qui finissent et parmi eux même rapport Jovenel Moïse. Là. Depuis qui le dossier Jovenel Moïse a été traité? Le dossier ça, je me pose la question de comment dossier. Parce que pour chaque dossier, il y a une question de poser comment il a été fait. Mais c'est tout qu'en 2013, sous la présidence de Martelly, il y a une banque institution financière qui a voué une déclaration de soupçon par UCREF. Il y a une opération que Jovenel a fait dans la banque ça, que je n'ai pas cité là parce que je suis tenu par le secret pour jusqu'à présent. Et la banque ça a été voué une déclaration de soupçon par UCREF. Et sous l'administration du président Martelly, il y a une enquête qui a été ouverte sous Jovenel Moïse. Mais il dit que son compte en goutte, quelqu'un. Bon. Mais ça qui vient arriver, c'est que ça c'est la maître reprise. Ça qui vient arriver, c'est que l'on ouvre compte là, dans BNC et Port du Père, ça qui vient arriver, c'est que yo font erreur. Gon gagne un formulaire, parce que c'est formulaire pour nous qui compte lié, yo coché dollar. Yo coché dollar pour nous. Enquêteur qui recevoir données, parce que leur institution financière a voué données au baou, ils n'ont pas voué ces bols là, dollars ou goud, ils ont seulement voué chiffres là. De plus que eux même, bon, beaucoup là, bien entendu, enquêteur qui recevoir données, ils ont formulé en dollars, ils ont traité toutes données comme étant un compte en dollars. Mais c'est pas un compte en dollars. Comme étant un compte en dollars. Mais, forme de ça pour la vérité, pour l'histoire, moi j'ai écrit banque là. Mandé l'information parce que le jour des affaires qu'on est son compte en dollars et rapport final, il écrit banque là et banque là t'es voué réponse bon, moi dit son compte en goud. Comprendre, c'est clair. Mais ça qui vous dit, paraît tout dire banal, c'est parce que bon bon compte suspect, bon bon véhicule que monsieur acheté le même jour et payé cash le même jour. Mais ça, il va pas faire état de ça. Du tout. C'est le seul contre ça qui a des gros problèmes, mais toute l'autre est accusation au Québec. Et toute Québec, contre eux. Mais monsieur est inculpé. Donc, qui voit l'UCREF là à partir de l'inculpation, monsieur? Bon, UCREF pas gagné pour le faire parce que UCREF a un rapport que vous y allez, c'est fini. Quoi, c'est la justice qui pour décider de l'avenir dossier Jovenel Moïse. Très bien, et puis, ok, ancien député Jonas Kofi qui est avec nous, qui est leader haïtien pour Haïti, ancien député, ancien directeur général et ministère affaires sociales. Et puis, avec le professeur Jabouin Wilson qui rejoint nous. Messieurs, dames, nous tout relancer le débat net là pour nous là et sous dossier Petro-Caribé. Comment nous avons dossier ça, madame Paul? Bon, pas qu'à dire que c'est vraiment dans le dossier, ça va plein de m'appeler comme ça. Mais qui est dans ce Congo? Dans ce Congo. Parce que... Contre danse. Bagay ça a tellement envahi tous les réseaux sociaux, tout le côté de Petro-Caribé seulement. Mais crainte que cet engouement généralisé par fait que Marie la vient passer comme finir comme poisson, parce que c'est comme ça ou j'ai l'impression que des fois même monde qui des problèmes non les forcer sous dossier, les mettre le dehors, il fait tout le monde a parlé de lui et pour bonjour pas tant d'ailleurs, les mettre là la mode, les mettre là la mode et puis pas faire rien. Et ça arrivait plusieurs fois déjà, et puis Romain nous connaît les différents et bien voilà. Alors, je t'ai aimé que Petro-Caribé a passé autrement, puisque monsieur dit qu'il y a pour nous récupérer comme là, et nous besoin comme là, vu l'état pays. Donc, supposer que tout le monde qui est vraiment sincère, parce que pile le monde qui parle en pile, parce que nous avons des offert, mais si vraiment tout le monde qui est sincère est capable de poursuivre le dossier, j'aime pour poursuivre, pour être capable de récupérer l'argent, je pense que c'est un bon bagage. Mais est-ce qu'on parle de ça à quel niveau? Nous avons un espace de conférence chaque vendredi avec l'élève secondaire. Yo, et puis, ben, yo parlé de ça tout avec lui. Mais si nous n'avons pas tellement creusé vraiment problème profond, parce que c'est un problème extrêmement profond, puisque c'est la société même qui vient dans un état de pourrissement qui font barrage, ça va briser. Et ce n'est pas tout barrage que les jeunes si sont capables de comprendre. Mais il y a quelqu'un qui résonne assez bien là. Nous ne pouvons pas côté là. Un Petro challenge. Bon, moi,
pensez que cause Petro Caribe a les ressources au dia savoir que les vient banaliser les plus que était une blague parce que moi m'a passé bon la caille moi dans marché fait matlam dans nos machins n'a dit l'autre au mandem tel ba les connaît comme Petro Caribe là même ouais donc et machin qui dit ça m'pas même quoi que son monde qui vraiment connaît lire et écrire et ni connaît de qui ça la parler mais sauf que il y a possibilité que la vienne tomber dans un ridicule et, oui mais est-ce que bon bonne chose sur le fait que arrivé dans non non mais d'accord mais moi donc son possibilité mais l'autre lui-même t'avait dit Petro Caribe c'est corruption oui mais l'autre chose maintenant qu'on y est c'est que il y a une bataille politicienne qui est en sous-bassement faut que bataille ça t'arrange fait un petit retrait pour que lui permette que le dossier a traité techniquement parce que sur le plan du droit positif il n'y a pas de possibilité pour traiter le dossier bon, malheureusement ici nous avons gagné véritablement une vraie police et financière une brigade et une police back. Qui non mais qui vraiment baf mais c'est un bagage qui vraiment spécialisé ça est dans n'importe qui pays avec interconnexion avec Interpol avec un bon autre bagage qui permet que kounien yo capable jouer été mené dossier et Panama Papers hein river joindre côté qui est-ce qui prend qui cob qui le prend côté cob la déposer etc etc pour nous constituer un vrai dossier c'est pas bruit ouais et certains mon a fait une radio parce que mon un mal de leadership, il a besoin de montrer que c'est lui qui domine le dossier, c'est lui qui possède la paix des cités dans le monde. Yeah. Moi, je pense que ça va faire le dossier. Qui est-ce qui a le droit? Qui est-ce qui met le dossier ça? Et c'est quoi le monde qui met le dossier? En réalité, si nous prenons l'organisation que l'État a gagné aujourd'hui, ouais, il y a là-dedans un ensemble d'institutions qui ont le devoir et le pouvoir pour mener une enquête sérieuse sous Petro Caribe. Je ne peux pas dire qu'il y a la capacité, non. Il y a le devoir, parce que le dossier a fait trop de bruit. Dans le cadre de la République démocratique, lorsque les citoyens demandent des comptes, il faut l'État dégager pour le bail compte. Mais. Et qui est-ce y a une institution? Non, il y a UCREF, il y a Cour supérieure des comptes, il y a SSC, il y a Brigade des affaires financières. Il y a des finances. Oui, il y a un bon côté. Paquet. Mais oui, bon, le paquet aussi, mais paquet parce qu'il vient en dernier. En dernier, dans le bagage, parce que tant qu'on va faire enquête. Paquet, c'est exécuature du cabaret là. Non, tant qu'on va faire enquête, on va faire enquête là. Non. Parce que si on va faire enquête pour donner dans le monde, pour arriver dans le paquet, et on va aller dans le paquet, c'est des dossiers qui parlent. Il y a beau aller comme ça. Mais est-ce que pas vous comprenez? Mais ma dernier barrière là, c'est que UCREF, ULCC, Cour supérieure des comptes, etc., aujourd'hui, a gagné deux brigades au niveau mondial et qui offrent coopération dans pile cas en Afrique, dans pile cas en pile côté, que gagne cas de corruption. Vous êtes malade, vous avez un ancien président en prison, un ancien gouverneur de la Banque centrale, un ancien ministre de finance. Ça veut dire, si nous demandons des supports, si nous demandons des supports, c'est sûr qu'il y a 22 personnes qui ont compétence. Parce que nous avons un devoir de pouvoir. Nous avons dit que nous ne connais pas si la compétence est totalement installée. Maintenant, la deuxième chose, parce que l'homme dit la compétence. Mais est-ce qu'un individu doit prendre le dossier à lui-même pour l'attaquer? Non, mais ce n'est pas un individu qui doit faire ça seulement. Non, il y a un pile individu qui a mal de leadership et de paraître qui a payé des faits de fuite en avant dans le dossier. Moi, je pense que son dossier doit être avec tête frette. Avec le calme et la sérénité que ça demandait, mais également avec toute la technicité que ça demandait. Mais le dossier n'a pas poussé là encore, hein? Et non, l'équité Sénat, puisque le peuple a pris. Oui, et député Babvini, oui, Jean-François, oui, député Kofi. Bon, oui, et dossier et Petro Caribe. Il semble qu'on a pile bagaille dans le dossier. Non, dossier Petro Caribe, il n'y a pas oublié que le dossier ça a quoi signé. Moi, j'étais député dans la 48e législature. Et j'étais président de la commission économie, finance, dans la chambre députée. Moi, c'est un député qui a fait la première interpellation sous question Petro Caribe. Qui a été interpellé? Daniel Dossinville. Qui était ministre économie et finance? Ministre économie et finance à l'époque, sous décaissement. Moukoué 197 millions. Qui est-ce qui était premier ministre d'Atta? À l'époque, c'était Madame Pierre-Louis. Donc, le premier cob là? Ça, c'est le premier cob qui était décaissé. Et dans l'agence, tu as gagné une quantité, tu as mis pour question achat et matériel dans CNE.
parce que a te gen yon catastrophe nan naturel et à peine madame bien lui te fin monter te gagné état d'urgence ou te vin gagné yon l'autre l'agent qui décaissé pour question c'était dans période ça te gagné problème Gonaïve là oui Gonaïve et les wal garder l'agent quantité cob qui te disposé pour acheter matériel pour CNE toute l'agent ça a yo pas acheté matériel yo et là yo vinn décaisser cob là yo pas voir qui ça fait avec cob ça yo vous en équivalent cob moi quoi li environ 45 millions de dollars pour acheter des matériels pour CNE et non qui t'est arrêté yo pas fait rien avec parce que cob yo t'est disposé pour CNE c'est on va faire des 80 millions de dollars li. Est-ce que tu as un appel d'offres? Est-ce que tu suivi toute sa règle, marché, passation de marché? À l'époque, c'est nous tenons phase achat ça et état d'urgence. Yo t'es entré dans cadre état d'urgence là, mais état d'urgence là c'était pour 3 mois. Automatiquement, 3 mois ça a été fini coulé. Reste l'argent qui pas vienne qui pas décaissé là, il vienne décaisser jusqu'au mois de d'avril ou mai. Il va rentrer dans cadre état d'urgence encore. Laisse ça nous pas gagné rapport sous comme ça et yo t'ai transféré yon 20 millions de dollars dans primature à l'époque pour premier ministre là bon m'té wè li té monté tout rapport côté que li té bay des subventions et li té bay rapport ça yo mais nous même nous pas là pour nous pas placer pour connaître est-ce que et rapport ça yo qui et stabilité exactement. Est-ce que ça c'est ça Sylvain Benoît de album photo hein? Oui, moi quoi ça, c'est lui-même et moi-même moi prends initiative interpeller Daniel Dorsainville, Steven Benoît t'y accompagné et me cherché 5 autres députés qui était à l'époque faut qu'on gagne 5 députés pour faire interpellation hein. Nous te gagne 7. L'en fin fait interpellation hein. Pour nous interpeller ministre là. Non, vendredi, ministre fait un monde relève. Et dit, est-ce que nous capables de nous rencontrer bagay sa yo? Moun ki relève, non, c'est ton monde Tigouav, qui était un directeur. Il dit, moi, monsieur, c'est le Kembel comme directeur. Et papa, comme ancien chef section, c'est mon compère, maman, bah, ça y est. Je vais être 4 proximité avant. Proximité avant. Et chercher mon pays ou bref. Voilà. moi dit, est-ce que c'est possible pour nous rencontrer aujourd'hui? Je dis, il n'est pas nécessaire pour nous rencontrer. Il dit, dis-moi qui sont besoin. Il dit, ah, zanmi, c'est mon moyen. Et nous pas voir le ministre là aller. Fait le descendre mardi après interpellation. Moi-même m'a rencontré ensemble avec lui. Je pense. Ah, yo passons l'autre vitesse. Yo rencontré l'autre député qui était signé ensemble avec moi. Yo désolidarisé avec interpellation ça. Interpellation pas en fait. Interpellation pas faite. Président chambre député a li convoqué une réunion à l'extraordinaire dans lundi après-midi côté que li mandé pour tout président commission. L'aime rivé tout bagay était gantan cuite. Tout bagay était gantan fin OK et puis yo dit yo cassé. Ça fait interpellation. Qui est-ce qui était président chambre député à l'époque? C'était Eric Jean-Jacques qui était président et chambre des députés. De regretter mémoire. Exactement. Et puis, mais comment nous commencer avec Petro-Caribe? Donc, dans le Parlement, c'est ou même à Steven Benoît qui... Qui était premier watch là. Et ça fait matin, hein, avant de m'étendre dans l'émission, moi t'ai dit, ah, m'étendre dans l'émission, hein, même s'il n'a pas dit m'étendre là-dedans, moi-même, moi dit là-dedans, lui écrit, journaliste là, pour lui dire oui. C'est blié, il te blié, excusez nous c'est deux mondes qui te prennent initiative ça. Et l'agent a décaissé, ou vingé 12 janvier 2010, des ordres là commencé à partir de là. Après tremblement de terre là, rivé sous gouvernement, dernier gouvernement ou bien administration qui décaissait l'agent.
Dans le Brésil, Jean-Max Bellerive qui est pour gagner Jean-Max Bellerive, premier ministre, premier ministre de planification, ou vient gagner Koni. Ou gen résolution que tu prends sous Koni. Koni en même son innocent dans dossier ça. Bon mais tu si yen... mais et pas même lui même elle dit que c'est et pas ministre docteur ministre docteur. Oui, docteur qui était mais c'est lui même en tant que chef de gouvernement. Mais justement gros précision ni pour Jean-Max Bellerive ni pour Laurent Lamothe, c'est pas en tant que premier ministre et impliqué, c'est en tant que ministre planification. C'est en tant que ministre planification mais gen ordonné des pensions que ministère des Finances. Moun yo mal abordé et dossier là. Là gen des aspects. Faut que nous aller non aspect d'état et puis yon aspect technique. Ou gagner son décision qui prend conseil des ministres. Ou gagner le président de la République si impliqué. Tout moun impliqué là-dedans. De président à toute l'autre ministre, yo tout impliqué là-dedans yo. Si m'a pas d'accord une décision pas non ou pas sien. Mais dit qu'on l'autre formule vinn employé depuis quelque temps. Je prends des groupes de ministres sous des dossiers que de tout ministre pas concerné et comme si dans le conseil des ministres il y a un dossier président va prendre il prend ses ministres planification ministre finance ministre commerce et puis il prend avec eux exactement c'est ça mais il va prendre à toute ministre non mais ministre yo gen signature nan moniteur oui. Automatiquement yo prend résolution yo Yo impliqué. Résolution ça toute ministre aussi. Et constitution en d'où toute ministre yo responsable. Solidairement responsable du gouvernement. Donc tout premier ministre responsable. Tout premier ministre yo responsable. Mais président responsable. Mais sous combien et 6 premiers ministres Et 3 présidents, 6 premiers ministres. Madame Bellerive, Bellerive et Koni et Lamothe, Capé Et Jean-Charles. Et Jean-Charles. Ça oui, fait où 6 premiers la également. Non, la fond la donne. Il va pour résolution. Il va pour résolution. Il va la donne. Donc, 6 premiers ministres concernés à tout ministre qui dépasse. À tout ministre qui était signé en résolution. Et d'une façon ou d'une autre, ils ont tout gagné. Par exemple, Béra dit pas de connaître et résolution. Bon, ça c'est lui-même, mais le bas est arrivé devant la justice. Lui-même, il va défendre tête dans la justice. Mais il était ministre, il y a un gouvernement, et c'est signature qui, en résolution, il n'est pas capable de retirer tête. Là, c'est même irresponsable de sa part. Mais est-ce que pas une précaution pour nous? Parce que là, nous disons ça, ça veut dire automatiquement. Nous sommes tous pour nous à la gauche, tous pour nous coupables. Mais Lili, non, pas dit autant que je me souviens, je ne sais pas si c'est article 27 ou article 37 dans la Constitution-1. Il dit même moi qui sont fonctionnaires publics, je ne suis pas ministre, non? Si je vais signer la donne, même si le ministre n'a pas approuvé, je suis responsable de ZAXA que je vais mettre là. Ce qui fait quoi? C'est ça qui fait même si vous travaillez dans l'État, un ministre vous dit ou fait tel bagaille. Ou fait pour écrire ministre, on dit j'en demande pour me faire tel bagaille là, je vais faire, je vais voir le baou. Mais si je manque de viser un ballet là, c'est que son décision m'a prouvé. Exactement. Et à ce moment-ci, il a fait poursuite judiciaire. Mais m'a demandé, est-ce que pas de précautions, juge François, qui doit prendre.